aura des bons, il y aura des légers de fond toute la journée, suivis par de fortes chutes de neige dans la soirée. Il semblerait que le prochain Noël soit très blanc. Tout ce qui manquait, la neige aujourd'hui. René, c'est Jane. Désolée de faire ça à la dernière minute, mais veuillez annuler mon rendez-vous de 11h et le remettre après les fêtes de fin d'année. Il faut à tout prix que j'aille faire les boutiques pour les cadeaux. Oh, j'ai rien acheté. Vous envoyez des fleurs, un mot d'excuse. Dites-leur que j'avais un problème urgent à régler. Enfin, vous savez quoi faire. Merci, au revoir. Est-ce que vous pouvez aussi me trouver les indications pour aller à la fête de M. Jenkins? Je n'arrive pas à me souvenir de la route. Merci. Pouvez-vous aussi confirmer mon déjeuner avec Richard et pouvez-vous demander à son assistante si nous nous offrons nos cadeaux au restaurant ou si nous attendons demain? Merci, bonne chance. En retard et Derek ne trouvait pas son costume pour le spectacle de Noël. Je sais pas comment tu fais. Moi, je sais pas pourquoi je le fais. Parfois, je me dis que ça sert à rien. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Ce besoin de tout avoir, c'est pour les blaireaux. Non, ça suffit, je t'en prie. Tu as tout ce qu'on peut rêver d'avoir. Une belle maison, une magnifique famille. Et au cabinet, t'es devenu indispensable. Mais je n'ai pas le temps d'éternuer. Je travaille 18 heures par jour et c'est la babysitter qui élève mes enfants. Et quand Phil et moi, on a un rare moment d'intimité, on est comme des batteries qui n'ont pas été rechargées. Voilà. Oh, merci. De rien. Merci. Oh, elles sont ravissantes. Combien? Je préfère ne rien dire. Oh, à ce point-là? Oui, mais je le vois bien, non? Une fille doit avoir ses jouets, je suppose. Oh, je t'en prie, arrête. J'ai travaillé comme une dingue pour obtenir tout ce que j'ai. Je crois que je mérite de me bichonner de temps en temps. Je n'ai pas dit le contraire. Est-ce qu'il t'arrive de penser à tout lâcher et à faire quelque chose d'autre? Bien sûr que non. J'adore ma vie. Sois franche, Jane. Tu n'as pas envie d'une famille? Avec Richard, s'il te plaît, si tu veux plaisanter. On peut pas dire qu'il soit exactement le père idéal. Pas forcément avec Richard, avec quelqu'un d'autre, n'importe qui. Honnêtement, je crois que je laisse ça aux autres, Alison. C'est vrai, j'adore tes enfants, plus que n'importe quoi, mais en réalité, je pense que les enfants, c'est pas mon truc. Tu ferais une bonne grand-mère. Encore faudrait-il que je sois convaincue d'avoir l'instinct maternel. Quel dommage. J'adorerais te voir avec des enfants. Oh, la misère aime la compagnie. Quelque chose dans ce goût-là. Oh, je dois y aller. Je plaide tout à l'heure. Une affaire intéressante? Oui, je défends un homme qui croit être le Père Noël. Tu veux rire? Oui. Tu n'aimes pas mon humour? Oh, si, bien sûr. J'en ris encore. Une affaire de fraude fiscale vraiment excitante. Et pour ça, je rate l'enfance de mes enfants, sans parler du spectacle de fin d'année de Derek. Mmh. Bon, et bien, à demain. J'y compte bien. J'apporterai un peu de yaourt à boire fait maison. Non, s'il te plaît. Joyeux Noël et bonne journée. Bonjour René, c'est encore moi. Je serai au bureau après le déjeuner. En parlant de ça, où je retrouve Richard? Je suis bête, Richard mange des sushis même la veille de Noël. Pas de cadeau, entendu. J'irai lui acheter quelque chose cet après-midi. Alors, à tout à l'heure. Au revoir.
Salut, toi. En voilà une bonne surprise. Oui. Bonjour, papa. Que me vaut l'honneur de te voir. Joyeux Noël, papa. Je pensais qu'on faisait la distribution demain. Non, j'étais pas sûre que tu venais. Et pourquoi ça? Eh ben, parce que maman risque de venir avec Adam. Et alors? Alors, il faut pas que ça t'ennuie. Pas du tout. J'ai toujours aimé rencontrer les petits copains de ta mère. Oh, je t'en prie, sois un peu sérieux. Non, mais c'est vrai, je lui en suis très reconnaissant. De quoi? De ne pas en faire partie. Papa, arrête, tu m'as promis de bien te tenir. Parole de scout. Qu'est-ce que tu nous fais pour demain? Oh, du canard au curry et à la noix de coco. On va se mettre là. Il n'y a pas beaucoup de clients. Juste avant Noël, c'est bizarre. Il y a foule comparé à d'habitude. Est-ce que ça va? Financièrement, je veux dire. Ne t'en fais pas pour ton vieux père. C'est comme je dis toujours. Je sais. Gagne plus ou désire moins. Je me contente de peu. Et avec ce que j'ai, je suis satisfait. Tu ouvres ton paquet? Ça serait pas mieux d'attendre Noël? Non, vas-y, ouvre-le. Bon, très bien. Ça va être une grosse surprise. Oh! C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un PDA. Mais encore? Un ordinateur de poche. Et qu'est-ce que ça fait? Papa, tu peux enregistrer toutes tes données importantes, tes rendez-vous, tes numéros, tes petites notes, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, ça va. C'est très beau. Mais j'en ai déjà un. Ah oui? Mais dans ma caboche. Tu es terrible. Je suis horrible. Tu as le temps de prendre le thé? Non, je suis désolée, je dois filer. Toujours en train de courir. Ah, j'ai rendez-vous avec Richard pour déjeuner. Comment va Peter Pan? Papa! Ah, je suis désolée. Ah, j'ai rien dit. Allez, sauve-toi. On se voit demain. Arrête de me chercher des peaux. Qu'est-ce que tu dis? Chérie, je n'ai pas besoin de ce genre d'attitude. Mais excuse-moi, je sais... Oui, je sais. Je pense qu'on est tous les deux sous pression en ce moment. On réglera cette affaire juste après Noël, d'accord? Hey, très bien, entendu. D'accord, je t'appelle dans quelques jours. Bonne fête et tout et tout. Oui, entendu. Au revoir. Désolé. Pas de repos pour les braves. Les Allemands? Toujours les Allemands. Je suis leur babysitter. On y va? Non. Non, c'est non. Dites-leur qu'on leur propose 2 millions et que c'est notre dernière offre. Au revoir. Désolé. C'est désagréable de ne pas avoir toute ton attention. Est-ce que tu pourrais éteindre ce machin jusqu'à la fin du déjeuner? Chérie, ce serait avec joie, mais je suis en pleine... Tiens, salut. Est-ce que tu étais passé? Je pourrais te dire la même chose. Jen, voici Jessica. Jessica travaille chez Dalton & Derby. La meilleure négociatrice que je connaisse. Elle m'a plumé plutôt deux fois qu'une. Si seulement. Enchantée. Salut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté tous les deux. Eh bien, déjeunons ensemble après le nouvel an. Je t'appelle cet après-midi et on prend rendez-vous. J'attendrai près du téléphone. Très bien. D'accord. Au revoir. Une amie intime? Non, je déteste cette nana. C'est une tueuse. Je n'ai pas de chance d'être tombée sur elle. Maintenant, je vais être obligée de déjeuner avec elle. Si je n'appelle pas, elle fera des histoires. S'il te plaît, Richard, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Oui, de quoi? J'en sais rien. Ce serait agréable de ne pas parler boulot pour une fois. Bien sûr, super. De quoi tu veux parler? Je sais pas. De l'avenir? De nous? Notre avenir est superbe. Et notre avenir, c'est quoi pour toi? Il s'annonce très bien, il est fantastique. Tout se passe à merveille, dans le meilleur des mondes. Enfin, j'ai pas de boule de cristal, mais pour moi, en tout cas, tout va bien. Alors, on va continuer comme ça, sans changer nos habitudes? Bien sûr.
Notre vie est fantastique. Je suis comblé, tu es comblé. Pourquoi se poser des questions? Surtout pas. Quoi? Tu n'es pas comblé? Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis malheureuse, mais... Super. C'est génial. Ça me soulage d'avoir eu cette discussion, j'en suis ravi. Je déteste filer juste après avoir mangé, mais j'ai une réunion. Est-ce que j'ai quelque chose entre les dents? Non. Merci. D'accord. Oh, pas d'appel pour l'instant. Joyeux Noël à vous aussi. Oh, je suis désolée. Mauvaise matinée. Je déteste les fêtes de Noël. Oh, c'est un moment très éprouvant. Aujourd'hui, Cathy Couric a sorti un rapport sur les nombreux effets stressants des fêtes de fin d'année. Le taux de suicide augmente. Vraiment en hausse. Il irait jusqu'à tripler, d'après elle. Sans parler des augmentations de rechute chez les alcooliques. René, et... vous ne m'aidez pas. Désolée. Vous voulez y jeter un œil? Oui. C'est sûrement pas le bon moment de vous demander ça, mais est-ce que je peux partir plus tôt aujourd'hui? Vous organisez un petit dîner? Oui, plusieurs personnes viennent fêter Noël à la maison. Vous n'êtes pas juive? Oh, j'adore le rituel, c'est pas un crime. En plus, je trouve ça injuste que les goyes veuillent s'accaparer toutes ces fêtes. Bien sûr, allez-y quand vous voulez. Moi aussi, je vais pas faire de vieux os. Merci. De rien. Oh, 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 attendez. Tenez, c'est pour vous. Oh. Joyeux Noël. Oh. Joyeux Hanouka, joyeux Kwanzaa, joyeux ce que vous voulez. Est-ce que je peux l'ouvrir tout de suite? Oui, bien sûr. Oh, extra. Super. Quoi? Oh, quoi? Il ne vous plaît pas? Oh, non, 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 il est très beau, c'est juste que... Quoi? Oh, non, non. Je vous ai offert le même sac l'année dernière. Oh, pardon, je sais pas quoi dire. Oh, je suis désolée, je vais le rendre. Oh, ne soyez pas ridicule, c'est moi qui vais y aller. Je vais pouvoir acheter toute une garde-robe en échange de sac. Vous me connaissez, j'adore aller faire les boutiques. Je ne suis qu'une sotte, je suis désolée. C'est le geste qui compte. Oui, mais... Le bureau de Jane Berry. Oh, bonjour, Madame B. Elle est peut-être sortie. Je vais vérifier, une seconde. C'est votre mère. Oh, pas maintenant, non. Elle dit que c'est urgent. Je vous en prie, avec ma mère, c'est toujours urgent. Bonjour, maman. Joyeux Noël. Bonjour, ma chérie. Joyeux Noël à toi aussi. Comment va mon bonbon en sucre? Ça roule. Je voulais savoir pour demain soir à quelle heure tu voulais qu'on vienne. Oh, alors Adam sera présent? Bien sûr, ma chérie. Enfin, je ne peux pas l'abandonner le soir de Noël. Bien, n'oublie pas sa chaise haute. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu cette remarque très, très désobligeante. Je m'excuse, d'accord. Mais t'es au courant que papa sera présent lui aussi? Bien, bien. J'essaierai de me montrer à la hauteur des circonstances. Pas de scène, s'il te plaît, d'accord? Je ne veux pas une répétition de l'année dernière. La conduite de l'année dernière a été irréprochable. Ce n'est pas moi qui jetais mon verre de vin. Tu l'avais menacé avec un couteau de cuisine. J'ai peut-être fait de grands gestes avec le couteau. Mais enfin, tu penses bien que je ne lui aurais jamais planté dans le ventre. Très bien, peu importe. Je veux simplement que tout le monde se comporte en adulte pour une fois. Dans ce cas, sermonne ton père, pas moi. Bien, maman, arrête, s'il te plaît, d'accord? Je te propose de venir à la maison à 16h. Vers 16h, c'est parfait. Non, pas vers 16h. 16h pile, je ne peux pas faire réchauffer le repas cette année. Quand ai-je été une seule fois en retard? La ponctualité est mon deuxième prénom. Super, maman, comme tu voudras. Est-ce que Richard se joindra à nous? Bien sûr. Est-ce que j'entends les cloches du mariage? Non, c'est sûrement le feedback de ton appareil auditif. Je ne comprends pas pourquoi tu es si méchante. Est-ce mal pour une mère de vouloir voir sa fille être heureuse en mariage? Oh, tu sais quoi, maman? René vient juste de me passer un petit mot. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Il faut que je raccroche. D'accord. Alors, on se voit demain? Allez. Au revoir. J'avais l'intention de partir maintenant, si ça vous va. Bien sûr. Allez-y. Laissez-moi toute seule. Allez retrouver votre existence merveilleusement excitante. Partager un lait de poule avec 4 gays esselés n'est pas exactement la définition d'une vie merveilleuse et excitante. Mais ça me semble très bien. Est-ce que ça va? Oh,
Oui, ça va. Simplement, j'ai pas très envie de faire la fête cette année. Vous savez ce que je recommande dans ce cas? Beaucoup boire. Conseil avisé. Vous êtes la bienvenue chez moi pour finir la soirée. Et ne vous en faites pas pour la boisson, la maison est très généreuse. Oui, ce serait avec joie, mais il faut que je vienne à bout de cette paperasse avant de me rendre à la fête de Monsieur Jorkins. Qu'est-ce que je donnerais pour pas y aller? C'est la rançon de la gloire. Enfin, je veux surtout que vous passiez un superbe Noël. Oh. Vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us. Une marque. J'ai entendu un crash et mon cœur a cessé de battre. Est-ce que vous pourriez juste me donner la main et m'aider à sortir de là? Oh, oh ma tête. Voilà. Oh. Oh là. Oh. Oui. Où est ma voiture? Juste là. Non, non. Non, c'est pas ma voiture. La mienne est grise et toute neuve. Quoi? Tu peux toujours rêver, princesse. Ça fait des années que tu as cette vieille voiture. Attendez une minute, monsieur. Comment savez-vous quelle voiture je possède? Je crois que je suis mieux placée que tout le monde, étant donné qu'on est mariés depuis 10 ans. Excusez-moi, quoi? Quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit, là? Qu'on était mariés depuis 10 ans. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Attendez une minute. Quoi? Quoi? Tu ne me reconnais pas du tout? Non, pas du tout. Je ne sais pas qui vous êtes. C'est la première fois que je vous vois de toute ma vie. D'accord. Tu as eu très peur. Je crois que tu as besoin de voir le médecin. Oh, je vais bien. Jane. Vraiment, ça va aller. Comment vous m'avez appelée? Jane, c'est ton prénom? Oh, merci, je sais comment je m'appelle, mais vous, comment vous le savez? C'est un hasard, j'en sais rien. Écoute, on dirait que tu as complètement perdu la tête, tu dois avoir une commotion. Cette histoire n'est pas normale, il se passe un truc étrange. C'est toi qui es étrange. Mais où est passé mon manteau? Mais où sont passées mes affaires? Vous m'avez déshabillé? Tu veux rire ou quoi? Très bien, écoute Jane, tout va très bien se passer. Tu vas te calmer, on va rentrer chez nous et on va faire venir le médecin. Non, je veux juste quitter cet endroit. S'il te plaît, je veux m'assurer que tu n'as rien. D'accord? C'est... Et attention, tu mets les pieds. Là, comme ça. Merci. Voilà, tu es à la maison maintenant. Assieds-toi. Je vais aller chercher de la glace pour ta tête. Assieds-toi. Là. Je vous remercie, c'est pas la peine, vraiment. Tu as une sacrée ecchymose. Je préfère appeler le docteur Atkinson pour qu'elle passe te voir. Non, c'est pas nécessaire. Merci, c'est très gentil, mais je préfère m'en aller. Non, non. Tu n'iras nulle part.
Qu'est-ce qu'il y a? Un petit accident. Un petit accident de voiture. Non. Vous avez des enfants adorables. Nous avons des enfants. Ah, non. Non, non. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Maman? Oh, d'accord, écoutez, toute cette histoire est vraiment trop bizarre. Très bien, on peut continuer longtemps, mais que les choses soient claires, je marche pas. Et je trouve ça pas drôle. La plaisanterie a assez duré. D'un, je ne suis pas mariée avec vous. Deuxio, je n'ai sûrement pas d'enfant. Alors laissez-moi partir d'ici. Maman, tu me fais très peur. Tu vois, tu les effraies, alors calme-toi. Je leur fais peur? Comment vous voulez que je me calme? Tu viens de vivre une drôle d'expérience, tu es sous le choc. Je suis pas sous le choc. Non, pas du tout, et je n'ai pas perdu la tête. Alors, je m'en vais. Tu vas partir la veille de Noël? Vous allez divorcer? Non, non, personne ne va divorcer. Votre mère est énervée, elle n'est pas elle-même. Troy, va dans la cuisine, appelle le docteur Atkinson, le numéro est près du téléphone. Dis-lui que maman a eu un accident. D'accord. Ne t'en va pas, demain c'est Noël, tu ne peux d'accord, pas partir. D'accord, écoutez, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je n'y comprends rien et sachez que ce n'est pas dans mes intentions de gâcher votre Noël. Mais je regrette, je ne vous connais pas du tout. Chérie. Non, 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 voilà ce qu'on va faire. On va se souhaiter un joyeux Noël et on partira chacun de son côté. Tu n'es pas suffisamment bien pour sortir ce soir. On va laisser le médecin t'examiner et après on verra bien. Alors, tu l'as eu? Elle arrive, papa. Bien. Laisse le médecin t'examiner. Hein? Regardez à gauche. En l'air, s'il vous plaît. Très bien. Elle n'a rien du tout. Il n'y a pas de lésion cérébrale parce que vos pupilles ne sont pas dilatées. Et il n'y a rien qui indique qu'il y ait une commotion. Alors, qu'est-ce qu'elle a? S'il vous plaît, Sam. Je peux vous parler? Descendons, si vous le voulez bien. Maman, est-ce que tu perds la boule? Peut-être. Probablement. Je ne suis pas votre mère. Si tu l'es, je sais qui est ma propre mère. Qu'est-ce que ça fait de devenir dingue? T'entends des voix? Bien sûr. Trop cool. Et elle n'a rien reconnu, même pas les enfants? Non, c'est comme si elle venait d'une autre planète. Tu sais, si tu deviens vraiment zinzin, tu vas peut-être commencer à voir des personnes qui n'existent pas. Ça s'est déjà produit. Oh mon Dieu. Attendez les enfants. Maman doit appeler quelqu'un. Une personne imaginaire? Non, non, cette personne existe pour de vrai. Maman a besoin d'être tranquille pour téléphoner. Vous pouvez aller jouer? D'accord. 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 Je ferme la porte? Ce serait adorable, oui. D'accord. Merci. Je t'en prie. Au revoir, maman. Monsieur Jenkins, bonsoir, c'est Jane Berry. Joyeux Noël. Veuillez m'excuser de vous appeler si tard, mais j'ai eu un accident de voiture ce soir. Non, 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 ça va très bien. Je voulais vous prévenir que j'arrivais. Quoi? Jane Berry, de VP Communication. Vous avez un vague souvenir de mon nom? Génial. Oh, non, non, bien sûr, je me rends compte que c'est une fête privée. Allô, je... Monsieur... Vous voulez un café? Non, merci, Sam. Alors, quelle est votre explication? J'ai déjà entendu parler de ce phénomène, mais je ne l'avais pas constaté. C'est une sorte d'amnésie, de fixation provoquée par un traumatisme ou un choc. En général, c'est de courte durée, ça disparaît aussi vite que c'est apparu. Oui, mais quand? On ne peut pas savoir quand. Peut-être ce soir ou bien d'ici quelques semaines. Désolée de ne pas être plus précise. Hein, je peux la faire admettre à l'hôpital ce soir si ça peut vous rassurer. Le soir du réveillon? Je sais, c'est pas le meilleur moment, je l'admets. Honnêtement, je ne crois pas que ça l'aiderait beaucoup. Ça pourrait la désorienter encore davantage.
Ah, laissons-la se reposer et profiter à fond d'une bonne nuit de sommeil. Très bien. Qu'est-ce que c'était? Je ne pensais vraiment pas vous voir. Votre attention, voici Jane. Jane est la super patronne dont je vous ai parlé. Jane, voici Wally, Donnie, Phil et Albert, aussi connus sous le nom des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Je suis Pestilence. Joyeux Noël à vous. Oh, merci. Je suis désolée, je ne veux pas vous déranger. Oh, vous voulez rire? Je suis enchantée. Oh, j'adore votre coiffure. Vous les avez coupées cet après-midi? Non, j'ai cette coupe depuis quelque temps maintenant. Bon, mais vous êtes superbe. Alors, qu'est-ce que vous regardez? Ah, eh bien, je voulais voir Noël blanc, mais les garçons avaient envie de voir Parade de printemps. Judy est une femme pour toutes les saisons. Mmh. On ne plaisante pas avec Judy. Alors, le compromis, c'est Boulevard du Crépuscule. Oh. Oh, silence! C'est le meilleur passage. Comme si tu l'avais jamais vu, c'est la centième fois. Une petite minute, on s'est déjà vu. Je connais votre visage. Allez-vous-en ou j'appelle mon domestique. Vous êtes Norma Desmond. Vous étiez une célébrité du cinéma muet. Je suis célèbre. Il n'y a plus de place pour moi au cinéma. Bien sûr. Venez donc vous asseoir. Comment va la vie? Comment vont Sam et les enfants? Qu'est-ce que vous avez dit? Comment vont Sam et les enfants? Je connais votre... Allez-vous-en ou j'appelle mon domestique. Vous avez entendu parler d'eux? Vous êtes Norma Desmond. Vous étiez une célébrité. Eh bien, c'est pas exactement un secret. Je suis célèbre. Enfin, voyons, René, vous me connaissez. Vous savez que je n'ai pas de famille. Vous avez l'intention de divorcer? Quoi? De quoi? Mais pas du tout, je n'ai pas l'intention de divorcer parce que je ne suis pas mariée. Attendez, Jane. Et Jane, vous me faites peur. Arrêtez. Très bien. D'accord, d'accord, j'arrête. J'ai eu une longue journée. Je sais plus où j'en suis. Je crois que je dois faire le ménage dans ma tête. Oh ben ça! Ça fait combien de temps que vous n'avez pas de famille? Est-ce qu'on peut discuter d'autre chose? Je n'ai jamais eu de famille. Oui, j'aimerais qu'on ne parle pas de famille pour l'instant. Vous voulez bien? D'accord, parfait. Comme vous voulez, pas de famille. Piégé. Comme vous voudrez. Salut. Jane? Je peux entrer? C'est très surprenant de te voir. Ben, je peux entrer? C'est pas vraiment le bon moment pour parler, c'est le réveillon de Noël. Chérie, qui est-ce? Oh. Oh, je vois. Pas le bon moment. Oui, je comprends, c'est clair, très clair. Tu es occupée à faire autre chose. Oh mon Dieu. Jessica, voici Jane. Je crois que vous êtes déjà rencontrée dans le passé. Salut. Le passé? Oui, tu veux dire cet après-midi chez Sushi Noku? Ben, vous perdez pas de temps à ce que je vois. Excusez-moi. Écoute Jane, je suis ravi de te voir, seulement là, tout de suite, c'est un petit peu délicat. Et comment? Mais je serais enchanté qu'on déjeune ensemble prochainement. J'aurais adoré discuter avec toi, mais là, j'ai vraiment pas trop le temps de bavarder. Oh, alors ça y est, on a passé 2 ans ensemble et tu décides de me plaquer le soir du réveillon de Noël? De quoi est-ce que tu parles? Ça fait un siècle que je t'ai pas vu. À peu près 10 ans.
à peu près 10 ans. Oui, oui, depuis le soir où tu m'as quitté pour ce garçon. Comment il s'appelait déjà? Sam. Oui, oui, voilà, c'est ça, Sam. Alors, tout ça est bien réel? Il existe? Pour ton bien, je le souhaite du fond du cœur. Je serais vexé de savoir que tu m'as quitté pour une vulgaire invention de ton imagination. Non, non. Sam est bien réel et je suppose que mes enfants le sont aussi. Et tout ça est bien réel. J'ai été content de te revoir, Jane. Déjeunons bientôt ensemble, d'accord? Oh, oui. À bientôt. Seconde. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Quand j'ai pris la route ce soir, j'étais une femme célibataire au volant d'une voiture de luxe. En chemin, je me suis transformée en femme au foyer et mère de famille au volant d'un vieux break en phase terminale. Tout ça n'a pas de sens pour moi. Je suis prête à reconnaître que j'ai sûrement perdu la raison, mais vous devez me croire quand je vous dis que je n'ai aucune idée de qui vous êtes. Je ne vous ai jamais vu de toute ma vie. Je veux bien te croire. Vous me semblez être quelqu'un de très gentil, ce qui est bien, puisque comme vous le savez, apparemment on est mariés. Apparemment. Et je voulais vous dire que je ne voulais pas revenir ce soir, mais je ne sais pas où aller. Et même mon permis de conduire dit que je vis ici, alors... Peu importe ce que je peux penser, il semble que ce soit bien ici, ma vie. Merveilleuse vie. C'est une blague. Désolé, c'est mon humour légendaire. Très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On pourrait rentrer pour se réchauffer. Vous croyez? Absolument. Mais faites pas le malin. Hein. Tu verras, tu m'apprécieras. Coucou, papa. Il est arrivé, le Père Noël? Pas encore, Troy. Va te recoucher. Maman, t'es toujours zinzin? Complètement. T'inquiète, ça fait rien. Je suis content que tu sois là. J'étais inquiet. Va dormir, champion. D'accord. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Qu'est-ce que tu veux faire?
Tout ça est très délicat. Si ça vous dérange pas, je vais dormir sur le canapé. Ne sois pas ridicule, c'est moi qui dors ici. Vous êtes sûr? On va pas en faire toute une histoire. D'ailleurs, je dois monter la maison de poupée de Heather. Oh, je peux peut-être vous aider? Non, ça va aller, c'est gentil. Ça me dérange pas. Quand j'avais l'âge de votre fille, j'adorais jouer à la poupée. Où est-elle? Je l'ai planquée là-dedans. La voilà. Oh, waouh, c'est super. Ah, je te préviens, c'est super compliqué à monter. Où est la colle? On n'a pas besoin de colle. Regardez, ça s'assemble très bien. Comme toi et moi. Non, dites pas ce genre de choses. Je vous l'ai dit, plus on me connaît, plus on m'apprécie. Attends. Je sais pas du tout où va cet accessoire. Donnez-le-moi, c'est le fauteuil à bascule. Ah, d'accord. C'est pour la cuisine. Je reconnais les objets qu'on met dans une cuisine. Ça, c'est plus. De quelque chose? Une brosse à dents, ce serait sympa. Les brosses à dents sont sur l'étagère au-dessus du lavabo. La mienne est verte, la tienne est violette. Vous avez dit violette? Oui. C'est amusant. J'ai toujours eu une brosse à dents violette. Enfin, avant, je veux dire... Je sais. C'est ta couleur porte-bonheur. On dirait que certaines choses ne changent pas. Ouais, on dirait. Zinzin. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Maman a toujours perdu la tête. Oh, c'est ma vie. Jane, ça va aller. Ça va de sens. Ça va de sens. Elle va continuer à délirer toute la journée. C'est Noël. Je respire. Tu vas lui donner une gifle? Non, bien sûr que non. C'est ce qu'ils font dans les films. Ce n'est pas un film. Je suis pas dans mon état normal. C'est rien. Troy, va chercher un verre d'eau pour ta mère. C'est rien. Maintenant, respire, Jane. Respire. Voilà. Je suis juste... Calme-toi. Respire. Ça va aller. Ça va mieux. C'est bien, ça va aller. Génial. J'en avais besoin. Génial. C'est le plus beau Noël de toute ma vie. J'ai eu des poupées et des patins. On pourra aller enfin tout à l'heure? Si on a le temps, ma chérie. Cool! Un mec habillé en
militaire sur une moto. C'est Steve McQueen. C'est qui Steve McQueen? Eh ben, comment dire, c'était... c'est pas important. Ça te plaît? C'est génial, super. Merci papa. Merci maman. J'en ai d'autres à ouvrir. Voyons voir. Waouh. Waouh. C'est pas croyable. Magnifique. Qui t'a offert ce cadeau? C'est toi? Oh, c'est vrai. J'ai toujours eu de très bon goût. Tu n'ouvres pas les tiens? C'est que je sais pas, ça me paraît étrange. Ne dis pas de bêtises, ça te rafraîchira peut-être la mémoire. N'y compte pas trop. Oh, wow, Ella Fitzgerald. Oh, j'adore Ella Fitzgerald. Mais comment tu sais que... Merci. Et si on chantait Jingle Bells? Oui, super. Allons-y. Installez-vous. Vous êtes prêts? Oui. Dashing through the snow on a one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Buzz on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is. Joyeux Noël! Oh, trop beau les patins! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bonjour les enfants! Hey, un petit remontant pour Noël! Vous êtes prêts à vous J'en régaler? J'en ai un tas! Viens, je vais te les montrer, Lisa! Alissa! Oh, bonjour ma chérie! Bonjour le plus beau! Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël! Où est Phil? Oh, depuis hier, monsieur a de la fièvre, alors il est resté à la maison pour ne contaminer personne. Le pauvre garçon, quel poulet! Oui, je crois qu'il est très content d'avoir la paix et d'être seul. Les enfants lui ont offert des leçons de golf sur vidéo, il était scotché devant quand on est parti. Allison, je peux te voir une minute? Oui? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a fait du patin avec la voiture et un lampadaire l'a attaqué. Oh, ma pauvre chérie, ça va? Oui. Il faut que je te parle, suis-moi. Attends. Alors, si je comprends bien, tu ne te souviens pas que tu étais mariée et que tu avais des enfants? Non. Aucun souvenir? Pas le moindre. C'est sérieux, dis-moi. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes avant cet accident? D'avoir quitté Marley et Jorkins hier soir et de me rendre chez Monsieur Jorkins pour fêter Noël. Oh, Jane, tu travailles plus chez Marley et Jorkins depuis au moins 10 ans. C'est ce qu'on ne cesse de me répéter. Maintenant, je comprends ce qui t'effraie autant. Écoute, tout ça ne rime à rien. Je suis larguée. Je reconnais que Sam et les enfants sont adorables, mais je t'avoue franchement que je préférais ma vie d'avant. Ça va pas être facile parce que tu peux pas revenir en arrière. Tu crois que j'ai perdu la raison, c'est ça? Non, je pense que tu es en train de vivre une expérience très traumatisante, mais tout va revenir, j'en suis certaine. Qu'est-ce que tu mets dans cette farce? Du ketchup. D'accord. Alors, tu penses que tous les souvenirs de cette vie vont me revenir petit à petit? Bien sûr! Entre nous, il y a des choses bien pires que se réveiller et s'apercevoir qu'on est marié à Sam Keller. Si ça m'arrivait à moi, je croirais que je suis morte et montée au paradis. Alors, tu penses que je me suis épanouie dans cette nouvelle vie qui me semble tout à fait étrangère? Oh, ma chérie, tu as gagné à la loterie. Ça va, toutes les deux? Très bien. Un peu désorientée, mais ça va. Alors, t'es au courant pour notre petit dilemme? Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, j'essaie de voir le bon côté des choses. Au moins, ça brise la routine. Tu veux rire? C'est comme si vous repartiez à zéro. Oh, j'aimerais bien réagir comme ça, mais c'est un peu compliqué. Ouais, mais ça vous laisse une chance de tomber à nouveau amoureux l'un de l'autre. Bon, eh bien...
va falloir s'habiller. On va où? À l'église. À l'église? Tu plaisantes, je suis pas allée depuis un siècle. Tu es forcée d'y aller, tu es présidente de la guilde de l'hôtel. Je suis quoi? Un pilier de la communauté. Tu veux rire? J'ai jamais été un pilier de quoi que ce soit. Bien maintenant, tu l'es et la guilde de l'hôtel doit servir un repas de Noël aux sans-abri. Et c'est toi qui t'en occupes. Sûrement pas. Comme je te le dis. Oh non, je peux pas y aller. Dis-leur que je suis malade. Dis-leur que je suis pas dans mon état normal. Je vais passer comme ça, alors j'ai aucune envie de passer Noël avec une bande de SDF, de paumés. C'est ce que je fais. Quoi? Je travaille avec des sans-abri, comme tu dis. Sam est directeur d'un centre pour clochards qui touche à l'alcool et à la drogue. Je suis désolée. Je regrette d'avoir dit ça. Je savais pas du tout. Ça fait rien. Comment aurais-tu pu le savoir? Si tu te sens mal à l'aise, tu restes à la maison. Je ne vais pas t'y traîner de force. C'est bien, dans cette période, de faire preuve de compassion. Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison. Bien entendu, je vais venir avec toi. C'est vrai, surtout si tout le monde compte sur moi, non? Super. Oh Seigneur, je compte sur toi pour m'aider aujourd'hui. Oui, comme toujours. Je n'en sais rien, c'est le cas? Quelle question stupide. L'église, les sans-abri. Je n'ai jamais fait aucune action charitable de toute ma vie. Écoute-moi, ma toute belle. Quand tu sortiras de cet épais brouillard, tu seras sans nul doute super satisfaite de voir quelle personne tu es devenue à présent. Tu restes. Oh Sam, je sais pas ce que je dois faire. C'est très simple. Tu attends que les gens arrivent, viennent te voir et puis tu leur donnes à manger. Tu crois que tu y arriveras? Oui, je crois que je peux faire ça. Au fait, d'où viennent ces plats magnifiques de chez le traiteur? Non, tu les as cuisinés. Je sais pas cuisiner. Tu es une super cuisinière, maman. Ta spécialité, c'est les macaronis au fromage. C'est déjà tout préparé, imbécile. C'est bon quand même. Écoute, je peux pas. Je ne connais aucun des bénévoles. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut leur... Commence par Joyeux Noël, ce serait sympa. Je suis un imposteur, d'accord? Je suis pas la personne qu'ils croient que je suis. Ces gens-là ignorent tous que tu débarques d'une autre planète. Et si tu ne leur dis pas, je me tairai. Ce sera notre petit secret. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's claw when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Je pense qu'il reste encore des entrées. Oui, servez-vous des pommes de terre. À tout à l'heure. Faudrait d'autres assiettes, s'il vous plaît. Je les apporte. Je pense que tout le monde est ravi de ce repas. Ça se passe sans problème. Quel est le prénom de celui qui fait la vaisselle? Phil. Merci, Phil. Pas de problème. C'est pas trop dur, finalement. Non. T'es doué pour ce genre de choses. Non. Et pourtant... Ouais. Merci. Il y en a un qui n'a pas déjeuné. C'est Nate. Il n'a pas faim? Je crains qu'il ne soit pas assez fort pour se servir. Le pauvre homme souffre d'emphysème. Il a l'habitude de venir au centre. Je
vais lui apporter de quoi manger. Laisse, papa. Je vais le faire. Hé, hey, je te remercie. Est-ce que vous avez encore du pain? Ouais, j'en ai plein. Merci. Je t'en prie. Voilà votre déjeuner, monsieur Nelson. C'est adorable, j'ai peur. Voilà. Vous voulez peut-être que je coupe votre viande, monsieur Nelson? Oh, oui. Des voitures, il faut que je change les bougies. Tu devrais surtout changer de voiture, si tu veux mon avis. On peut pas se le permettre. On peut pas se le permettre. Sois pas ridicule, voyons. J'ai beaucoup d'argent placé à la banque. Il y a peut-être une fortune dans l'univers parallèle. Seulement sur Terre, t'es fauché. Ah, pas étonnant que j'ai une garde-robe aussi ringarde. Elle est pas du tout ringarde. Elle est simple et elle te va. Dernière personne avec laquelle j'aurais pensé avoir cette discussion. Dans l'existence, il y a autre chose que l'argent. Les voitures, tape à l'œil et les vêtements chers. Alors voilà, tu es satisfait d'être complètement fauché. C'est la vie que j'ai choisie. Ça me surprend. Tu n'as pas envie de plus? Bien sûr que je veux plus. C'est humain, seulement je n'en ai pas besoin. Tout ce qui compte est devant mes yeux. Comme grand-père dit, gagne plus ou désire moins. Tu l'as entendu dire ça? Tout le temps? C'est comme un disque rayé. Ouais. Enfin, tu sais bien qu'on ne peut pas avoir une conversation avec lui sans qu'il place cette phrase. C'est vrai. Je pense qu'on peut se passer des lieux communs de ton père. Et je dois avouer qu'il a raison sur ce point. Le premier sur la glace a gagné. Attention, maman! Doucement, doucement. Un pas à la fois. Je te tiens, maman. Moi aussi, oui. On va t'aider. Avec nous, tu risques. Ne me lâchez pas. Ça va aller, maman. Ne pas, elle est là. Ne me lâchez pas. Mais non. Non. Thank you.
Aïe. Fais attention. In a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Je vais te montrer comment on fait. Excellent. Merci. Je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. On se connaît depuis combien de temps? 10 ans. Hier, ça a fait 10 ans jour pour jour. Non, sans rire, on s'est rencontrés la veille de Noël. Plutôt romantique, hein? Il va me falloir le croire sur parole. Alors, ça a été un coup de foudre. Tu semblais le croire. Tu as dit que tu m'avais toujours aimé. J'ai dit ça? Oui, textuellement, lors de notre première conversation. Une belle façon de briser la glace. C'est curieux. Ça me ressemble pas du tout. Je devais vraiment être amoureuse. Oui, j'aime me dire que ce n'était pas sans raison. Mais toi, est-ce que tu es tombée amoureuse? C'était plutôt joli. Mais tu n'as pas eu le coup de foudre pour moi? Si, ça n'a pas cessé. Il faut à tout prix que j'aille vérifier la dinde. La dinde va très bien, Jane. Tu trouves pas que tout ça est très étrange? Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais imaginé passer Noël, mais je m'adapte. Tout ça, j'ai du mal à accepter cette vie que je suis censée mener. Pourtant c'est le cas, tu ne t'en souviens pas, c'est tout. Qu'est-ce qui se passera si je retrouve pas la mémoire? On s'occupera de ça en temps et en heure. Ah, c'est sûrement ton père, on avance comme toujours. Non, non, attends, je sais pas si j'y arriverai. Je t'en prie, c'est déjà assez dur de plus savoir qui je suis. Avec mes parents, je pourrais pas faire semblant. Il s'agit de tes parents. J'ai un service à te demander. Lequel? J'aimerais ne rien dire à mes parents. Je veux pas les alarmer. Tu ne veux pas les alarmer? Le Père Noël a été gentil. Super! J'ai une maison de poupées super belle! Formidable! Oui, et moi j'ai eu une moto de Tournacouille aussi d'Ali. Alors on va faire comme si de rien n'était. Il croit déjà que je suis folle, je veux pas mettre de l'huile sur le feu. Jane! S'il te plaît, faisons comme si, d'accord? Pour éviter la polémique, on leur dit pas un mot. Ce sera plus facile, crois-moi. Si c'est ce que tu veux... D'accord. Bonsoir, papa. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Joyeux Noël, l'ancien, ça va? C'est ça, moquez-vous de moi. Ça va, chérie? Hey, qu'est-ce que tu as? Tu t'es blessé à la tête? Oh, eh bien, en fait, c'est une longue histoire. J'ai toute la soirée. Elle a eu un accident de voiture, elle est zinzin. Tu as eu un accident de voiture? Ouais, moi aussi, ça me rendrait fou. Est-ce que ça va? Non, elle a complètement perdu la tête. Elle ne nous reconnaît plus du tout. De quoi est-ce que vous parlez? Ils vous font une blague. Ils sont pleins de malice. Je suis pas du tout en train de plaisanter. Ni moi. D'accord, pourquoi on n'irait pas à la cuisine voir la dinde et chercher à grand-père un verre? Whisky? Mais vous m'avez repéré, ça, non? Viens tout de suite. Il est adorable. C'est vrai, papa. Soyez gentil, allez finir de mettre quoi, de couvert. Oh, t'es pas dépêche-moi. Drôle. Non, avec eux, tu sais ce que c'est. Ils rigolent d'un rien. Tu viens? Très bien, changeons de sujet. À quelle heure dîne-t-on? J'ai un appétit d'ogre. Comme toujours. J'ai rien mangé de la journée afin de pouvoir dévorer ta bonne dinde. Mais j'ai pas fait de... ma très bonne dinde de Noël, bien sûr. Miam. Comment tu l'assaisonnes? Quelles épices tu mets dedans? C'est un secret. Pour ton père? Oui. Peu importe ce que tu mets dedans, tu as fait beaucoup de progrès en matière de cuisine. Comment ça? Ne le prends pas mal, mais... Tu es une merveilleuse cuisinière maintenant, mais les dîners de Noël que tu faisais avant l'arrivée de Sam étaient vraiment une curiosité, pour être gentil. Wow. C'est terrible de dire ça. Terrible, mais vrai. Ta cuisine s'est améliorée et puis tu
Tu t'es transformée dans le bon sens depuis que tu le connais. Alors, pourquoi tu n'as jamais osé me dire que ma cuisine était horrible? Chérie, tu es ma fille et je t'aime fort. J'aurais avalé des boîtes pour chiens si tu m'en avais donné. Quelquefois, des boîtes pour chiens auraient été préférables. Eh ben, super, d'accord. Alors, je suis enchantée que tu me trouves meilleure qu'avant. Tu te souviens du canard que tu avais fait? Dans le plat qui a explosé. On a passé la soirée à enlever des morceaux de verre à ce canard. Oui, c'était amusant. Oui. Toute cette discussion m'a vraiment ouvert l'appétit. Je meurs de faim si on dînait. Faudrait quand même attendre l'arrivée de maman. Ah, je suis sûr qu'elle va arriver sur son manche à balai d'un moment à l'autre. Papa. Quand on parle du loup. Tu m'as promis de ne pas être désagréable. Pas de scène. Je suis toujours agréable, tu me connais. Oui. Oh, pardon d'arriver avec autant de retard, ma chérie. Bonsoir, maman. Et j'espère que tout le monde ne m'a pas trop attendu. Pas plus que d'habitude. Ne commence pas, Georges. Vous ne pouvez pas imaginer les embouteillages qu'il y a. Je croyais que les gens restaient à la maison le soir de Noël. Toute cette foule épouvantable qui arpente les rues. T'en fais pas, maman. Le dîner n'est pas tout à fait prêt. Oh, bien. Tu sais l'importance que j'attache à la ponctualité. J'ai toujours détesté faire attendre les gens. C'est comme une religion pour moi. C'est bon, maman. Où est Adam? Adam? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je ne l'ai pas vu depuis des siècles. Elle l'a échangé contre un meilleur modèle. Ce que tu peux être grossier. Je ne sais même pas pourquoi je t'adresse la parole. À cause de mon charme naturel, je suppose. J'aurais bien trinqué avec toi, mais tu ne m'en veux pas, je commence sans toi. Joyeux Noël, Frédérica. À vous aussi, Sam. Vous voulez un verre? Eh bien, c'est très rare que je cède à une telle invitation, mais ce soir c'est Noël, je vais faire exception. Que prendrez-vous? Un double cocktail. Secoué mais pas mélangé, avec un petit peu de citron, sans olive. Si vous ne voulez pas de drame ce soir, servez-lui en un simple. Qu'est-ce que tu insinues? Ce serait bien si tu te calmais un peu, pour changer. Tu es bien placé pour parler. Tu bois d'une traite ton whisky comme si c'était de l'eau. Je l'ai pas avalé d'une traite. Eh bien, tu es le dernier individu au monde qui peut me faire la morale à propos de ce que je bois. Vous savez quoi, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. J'aperçois que vos rapports n'ont pas changé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien du tout, je t'assure. Rien, sans importance. Alors, comment est-ce que tu t'en es sorti avec le speech qu'on t'a demandé de faire au repas de Noël? Mon speech? Oui, oui, qu'est-ce que tu as dit? Oh, pour tout avouer, rien de passionnant, vraiment, c'était inintéressant. N'importe quoi, je suis sûre que c'était fabuleux. Alors dis-moi, de quoi est-ce que tu as parlé? Eh bien, en réalité, tout ça est un peu confidentiel. Ton speech? Oui. Devant un public qui t'écoutait? Oui. Un speech qui a été repris par toute la presse? Eh bien, disons qu'on espère que très peu de monde lira les articles. Eh bien, c'est vraiment très étrange. Je pensais que le but de ce déjeuner était d'améliorer l'image de cette association. Absolument. C'est juste qu'on a préféré que tout ça reste un secret. Jane, ne me dis pas que ce programme est une couverture pour une organisation clandestine. Non, oh non, non, bien sûr que non. On veut que tout le monde sache que l'association existe, mais pas maintenant. Bien, vous ne devinerez jamais qui est venu à la boutique il y a 2 jours. Qui? Laurie Adler. Oh, qui est Laurie Adler? Enfin, tu connais Laurie. Je la connais d'où? Chérie, est-ce que tu te sens bien? Très bien. Très bien, seulement j'ai du mal à me souvenir de Laurie Adler, c'est tout. Ta vieille amie, celle avec laquelle tu avais fait le marathon de Boston, tu te souviens? Oh, oui, d'accord, cette Laurie Adler, je suis désolée. En fait, je pensais à une autre Laurie Adler, avec laquelle j'ai couru un autre marathon, une fois. Elle connaît 2 Laurie Adler. Ah, mais j'ignorais ça. Quand as-tu couru un autre marathon avec cette autre Laurie Adler? Je me souviens pas quand c'était, récemment. Ou alors peut-être c'était il y a longtemps. J'avoue que j'ai pas très envie de parler de cet événement affreux. Est-ce que ces 2 femmes connaissent leur existence? Oui. Non. Pas bien. Elles ont été présentées. Mais j'essaye d'éviter qu'elles se voient. Pourquoi agir de la sorte, hein? Eh bien, l'autre
Laurie Adler a volé à mon amie Laurie Adler son nom de famille. Son véritable nom, c'est Smith. Pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Je sais pas. C'est vraiment une situation à couteau tiré. En fait, on évite de trop en parler et c'est pour ça qu'on préfère les séparer. Tu es sûre que ça va? Ça peut pas aller mieux. Ouais. Oh, j'allais oublier. Tenez votre cocktail. Merci. Oh, une vraie réussite. J'adore votre façon de secouer sans mélanger, Sam. Et t'es une spécialiste? Je te préviens, ne commence pas. J'ai dit quelque chose de méchant? Tu es l'homme le plus insupportable que je connaisse. Je vais faire comme si tu n'existais pas. C'est une promesse? Non, s'il vous plaît, soyez mignons tous les deux. Commencez pas. C'est encore pire que quand vous étiez mariés. Mais de quoi tu parles? On est mariés. Qu'est-ce que t'as dit? On est mariés? Mais on s'est remariés il y a 5 ans. Oui. Mes parents ont décidé de se remarier. Je suis désolée, j'ai cru que ce n'était pas utile de t'en parler parce que je pensais que tu savais ce genre de choses. Non, je sais rien du tout. Elle a pu. Je crois qu'elle souffre d'une commotion. T'as vu l'ecchymose sur son front? Oui, oui, je l'ai vu. J'ai préféré ne rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident de voiture hier. Oh mon Dieu, juste ciel. Oh, c'est sûr, elle est sous le choc. Jamais je ne l'ai vue dans un état pareil. Et cette ecchymose qui risque de rester, j'ai un bon médecin pour ça. Pourquoi elle n'a pas besoin d'un chirurgien esthétique? Pourquoi penses-tu que je veux l'envoyer voir un chirurgien esthétique? Je ne sais rien à propos de la chirurgie esthétique. Bonjour, grand-mère, joyeux Noël. Jane, je t'en prie, calme-toi, ça va aller. Tu vas recouvrer la mémoire. Je ne sais pas si je veux que ça me revienne. Oui, pourquoi est-ce que j'aurais envie de cette vie-là, de toute façon? Je n'ai pas de job, pas d'argent, pas de passé, rien du tout. Tu as une famille qui t'aime fort. Vous êtes des inconnus pour moi. Je te connais même pas. C'est pas une vie pour toi. C'est mieux que de vivre sans toi. Grand-mère veut un autre cocktail, un double. Dis-lui que le dîner est prêt. D'accord. Grand-mère, on va dîner. Tu parles d'un Noël. La vie avec toi n'a jamais été ennuyeuse. Un peu de légumes? Pas trop, je veux aussi de la dinde. Les haricots verts, c'est bon pour la santé. Merci. Je t'en prie. Tu veux dire le bénédicité, Jane? Pourquoi je ferais ça? C'est toi qui l'es dit, en général. Bien sûr que oui, qu'elle saute. Ben, j'y vais. On y va. Seigneur, eh ben, je ne sais pas exactement comment vous remercier pour toutes les faveurs que vous avez accordées à moi et à ma famille. Cette fête de Noël a été passionnante, pleine de surprises. Waouh! Je dois avouer que ce n'est pas comme ça que je me voyais passer Noël. C'est même très loin de ce que j'imaginais. Tout ça, c'est... Mais... C'est vous le boss, non? Vous dirigez tout, mais je vous suis très reconnaissante de m'avoir... de vous être montré aussi généreux avec moi. Et pour votre gentillesse, et pour votre... bonté... qui nous ont permis de ne pas devenir des pécheurs et qui nous a rapprochés du Saint-Esprit. Pardonnez-nous maintenant et dans les moments difficiles. Partagez votre royaume et votre pouvoir et votre gloire en respectant plus que jamais notre liberté et justice pour tous. Amen. 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 Amen.
Voilà, bénédicité assez inhabituelle. Je l'ai trouvé génial, maman. Merci, chérie. Cette farce est intéressante. Avec quoi tu l'as assaisonnée? Du ketchup. Intéressant. Je trouve ça super, Jane. Merci, Sam. Jane, ton père m'a parlé de ton accident. Tu es sûre d'avoir toute ta tête? Pourquoi tu demandes ça? Parce que tu as l'air un peu perturbée. Tu trouves? Oui, tu te comportes de manière fantasque. Tu sais, comme l'ancienne Jane. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas chez l'ancienne Jane? Parce que moi, je l'adorais, l'ancienne Jane. Moi aussi. Seulement, tout le monde, moi y compris, et toi aussi, j'espère, nous préférons la Jane de maintenant. Sam, je peux te voir dans la cuisine une minute? Pourquoi faire? À cause de la dinde. Mais la dinde est sur la table. Oui, elle est très sèche. J'avoue être très inquiète pour les restes. On peut pas en parler tout à l'heure. Je voudrais en discuter maintenant, Sam. Elle est préoccupée par les restes. C'est très important pour elle. Sam, allez, mène-toi. Excusez-moi. On dirait que dans sa tête, ça ne tourne pas rond. Je vous l'avais dit, elle est zinzin. Comment oses-tu traiter ta mère de zinzin? Troy a raison, elle ne se souvient même plus qui on est. Mais elle est toujours marrante et gentille avec nous. Je suis complètement perdue. Du ketchup? Autrefois, je gérais toutes les situations. Je pouvais me souvenir du passé, de mon passé. Je savais quel genre de voiture je possédais, je connaissais les prénoms de mes amis, je me souvenais des speeches que je faisais. Maintenant, je me souviens plus de rien. Tu te souviens d'hier? Oui. Parfait, c'est un bon début. On va partir de là. Maintenant, finissons-en avec ce dîner et on enverra tes parents se coucher avec leur mine déconfite. Tu me le promets? Je te le promets. Courage. Eh bien, on a décidé de laisser pour l'instant la dinde là où elle est. Comme ça, vous pourrez vous resservir. On est tous très soulagés de la prendre, ça j'en suis sûre. Vous avez eu une dispute? Non, George, tout va très bien. Je suis un vice-réjou dans le pardon. Ne t'excuse pas, Jane. C'est quoi cette histoire? Il paraît que tu ne reconnais pas tes enfants. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ils m'ont dit que tu ne savais plus qui ils étaient. Jane, chérie, tu souffres d'amnésie, c'est ça? Je crois qu'à nouveau, tu es en train de nous faire une petite crise. Écoute, maman, je ne suis plus tout à fait moi-même depuis quelques jours. Effectivement, ça m'en a tout l'air. Ton père a raison. Tu te comportes comme l'ancienne Jane. Je peux savoir où tu veux en venir, maman? Tu es émotive et fantasque. Oh, comme si tu étais un modèle de stabilité sur le plan affectif. C'est exactement le genre de choses que l'ancienne Jane aurait dites. Il n'y a pas de nouvelle Jane, d'accord? Je suis l'ancienne Jane et vous savez quoi? Je l'adore. Elle avait une existence agréable, elle était heureuse dans son boulot, un boulot qu'elle aimait. Pourtant, tu l'as bêtement quittée. Frédérica, vous ne l'aidez pas. Tu détestais ce job? George, s'il vous plaît. Ça n'a pas d'importance. Au moins, je savais qui j'étais. Alors que maintenant, je ne me reconnais plus. Je suis un mélange de Sœur Emmanuelle et de Mère Teresa. C'est pas moi. Si tu as décidé de reprendre ta carrière, je pense qu'il est grand temps, vois-tu. Car c'est dommage de voir gâcher autant de talents. Frédérica... Je n'ai jamais compris pourquoi Sam et toi, vous vous sentiez personnellement responsables du sauvetage de la planète. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Je trouve ça très bien, mais est-ce que ça signifie que vous et vos enfants, vous soyez obligés de vivre comme des indigents? Frédérica... Je ne me suis jamais opposée au sauvetage des baleines, vous savez. Mais je ne comprends pas que vous ayez tout abandonné pour ces facéties et ces ridicules idéaux. Alors là, Frédérica, vous allez la fermer. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je vous ai dit de la fermer. Alors ça, jamais. Je sais, on n'a jamais osé vous parler de cette façon. Seulement, si vous écoutiez ce que raconte Jane, vous sauriez que ça n'a rien à voir avec son job ni sa carrière. Quand elle était jeune et très occupée par son travail, vous ne cessiez de la harceler pour qu'elle trouve un homme bien et qu'elle se marie. Je ne sais pas si je suis l'homme qui lui convient. Mais quand on s'est marié et qu'on a fondé une famille, une superbe famille, vous lui avez dit qu'elle gâchait sa vie.
Vous ne voyez pas qu'elle ne peut pas gagner c'est avec faux, vous. Ce que vous Jane dites. Est confrontée à certains problèmes qu'elle doit à tout prix assumer. Alors elle a besoin de vous aussi, mais pas de vos jugements ou de vos comparaisons entre l'ancienne et la nouvelle Jane. Pour moi, c'est la même personne et je les aime autant. Alors avec tout le respect que je vous dois, ma chère belle-mère, je crois qu'on devrait changer de sujet et terminer notre dîner. Ou je peux aussi décider de partir. Maintenant. Ça me semble une bonne solution. Jamais on ne m'a traité de cette façon, jamais de toute ma vie. Il faut un début à tout. On part, George. Lève-toi. Mais... Au revoir, grand-mère. Joyeux Noël. Je t'ai pas fini de dîner. Demande un sac pour mettre les restes. Bon, j'y vais. Joyeux Noël, tout le monde. Au revoir, les enfants. Au revoir, grand-père. Il y a une chose qu'on peut dire à propos des Noëls en famille, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Papa, tu n'es pas forcé de partir, et maman non plus. Ah, je crois qu'il vaut mieux que je rentre avec elle, c'est plus prudent. J'espère qu'elle n'est pas trop furieuse. Oh, ne t'en fais pas, elle va très bien. Le poussé d'adrénaline, ça lui a réussi. Allez, joyeux Noël, ma chérie. Merci, bonne fête. Laissez vos assiettes, je reviens. Tu veux faire un vœu? D'accord. La température a baissé. Qu'il va neiger cette nuit. Tu as dit à ma mère de la fermer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Probablement pas au meilleur moment. Non, j'ai trouvé ça super. J'ai eu envie de lui dire ça toute ma vie. Et personne n'avait jamais pris ma défense comme ça. Je suis ravi d'avoir pu le faire. C'est la moindre des choses. Et tu pensais ce que tu lui as dit? Quand je lui ai demandé de la fermer? Oh, bien sûr que oui. Non. À propos... T'aimais... la nouvelle Jane autant que l'ancienne? De tout mon cœur. Même si la nouvelle ne se souvient pas de sa vie avec toi? Même si elle a oublié. Cet effet aux femmes. Non, je suis sérieuse. Je me sens pas bien du tout. Ça va pas. Vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce que j'ai. Jane. Joyeux Noël. Notre avenir est superbe. Notre avenir s'annonce très bien. Ça a été un coup de foudre alors. Oui, et ça n'a jamais cessé. Je sais qui est ma mère. Je veux m'assurer que ça va. J'étais inquiet. Gagne plus ou désire moins. La nouvelle Jane ou l'ancienne, c'est sans importance. Pour moi, ce sont les mêmes. Je les aime. Alors, tu penses que je me suis épanouie dans cette nouvelle vie? Tu as gagné à la loterie. Elle est belle.
Est-ce que ça va? C'est toi. Oui, c'est moi. Je savais que tu viendrais. Excusez-moi, vous avez l'air de me connaître. Oui. Non. C'est une longue histoire. Mais... je t'ai toujours aimé. Et je vais très vite me prendre d'affection pour vous. Non, non, c'est vrai. Depuis toujours. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toute ma vie. C'est super et je suis un fervent admirateur de l'amour éternel, mais vous ne croyez pas qu'on devrait d'abord se présenter? Je te connais, Sam. Comment savez-vous mon prénom? Je sais tout de toi. Je sais que tu es un homme bon et intelligent. Je sais que tu as une brosse à dents verte. Ah oui, c'est vrai, elle est verte. Vous avez dit ça au hasard? Non, je te l'ai dit, je te connais bien. Vous êtes vraiment une femme surprenante, c'est sûr. C'est ce que je dis, boss. Les phases finales se terminent et le jury va devoir sélectionner les trois derniers finalistes. La France a un incroyable talent, c'est ce soir.